c'était un film que j'avais envie de raconter, parce que c'est un film qui est inspiré un petit peu de ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant, et qui raconte en fait le parcours d'un petit garçon qui est très fier d'être juif en fait quand il est petit, sans trop savoir pourquoi, parce que son père lui dit que tous les grands hommes sont juifs. Woody Allen est juif, Spielberg est juif, Einstein est juif, et même Superman est juif, donc lui il est très très content par rapport à ça. Et un jour, en fait, il va aux toilettes et il découvre que son zizi est différent des autres petits garçons. Et donc, le fait qu'il ait des origines juives, c'est quelque chose qui va devenir quelque chose de plutôt gênant, d'embarrassant pour lui. Ah bon, t'es pas juif ? Juif, moi ? Pas du tout. À mon avis, tu dois confondre avec lui. Steve, lui, il est juif. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ce film-là, c'est qu'on est dans un climat en fait où il y a beaucoup de crispation communautaire, où c'est de plus en plus difficile en fait de rire des religions, de plaisanter de ça. Je pensais que j'avais peur que ça froisse des gens d'origine juive, et en fait ben pas du tout. Ils trouvent ça plutôt drôle, alors que j'y vais quand même assez franchement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais, Khmal? J'ai pris progressivement conscience que la famille dont j'avais été si fier par le passé me faisait honte. C'est un film qui est pour ou contre. C'est un film qui parle d'un personnage, de l'identité d'un personnage, du parcours d'un personnage. Ben, mon père l'est, mais comme chez les Juifs, la religion est transmise par la mère et que ma mère est catho, ben, je le suis pas. Estoy encantado de estar aquí en el Festival de la Cabina.